élevons nos pensées vers Dieu et demandons le concours des bons esprits pour que ce moment soit profitable à chacun. Don de guérir. Rendez la santé aux malades. Ressuscitez les morts. Guérissez les lépreux. Chassez les démons. Donnez gratuitement ce que vous avez reçu gratuitement. Saint Matthieu, chapitre 10, verset 8. Donnez gratuitement ce que vous avez reçu gratuitement, dit Jésus à ses disciples. Par ce précepte, il prescrit de ne point faire payer ce que l'on n'a pas payé soi-même. Or, ce qu'il avait reçu gratuitement, c'était la faculté de guérir les malades et de chasser les démons, c'est-à-dire les mauvais esprits. Ce don leur a été donné gratuitement par Dieu pour le soulagement de ceux qui souffrent et pour aider à la propagation de la foi. Et il leur dit de ne point en faire un trafic, ni un objet de spéculation, ni un moyen de vivre. Combien d'actions ici-bas sont gratuites? Nous constatons que dans notre monde dit moderne, tout se vend, tout s'achète, tout est prétexte à commercialisation. Et si aujourd'hui nous pensions à donner gratuitement un peu de notre temps, de notre attention, de notre savoir-faire? Et si nous pensions à donner, parce que nous pouvons aussi avoir besoin de recevoir, et que nous aimerions que ce jour-là, nous puissions avoir quelqu'un qui nous donne. Voilà simplement la raison pour laquelle nous pouvons donner et que nous devons donner. Ce devoir est inscrit en chacun de nous. Et nous comprendrons à un moment donné que ce n'est qu'ainsi que nous pourrons recevoir. Donner est la meilleure façon de recevoir. Mais donner de façon inconditionnelle, car c'est là toute la différence. Il ne s'agit pas d'attendre un quelconque retour, d'avoir un intérêt particulier lorsque nous donnons. Non, il s'agit de le faire avec tout son cœur, avec bonne volonté. Lorsqu'il s'agit de venir en aide à nos frères, ces frères qui souffrent ici-bas, et Dieu sait combien il y a de souffrances ici, il nous est demandé d'être au service, de donner gratuitement ce qui a été reçu gratuitement. Prenons donc le temps de comprendre la portée de ces pensées. Car la vie nous a été donnée sans que nous ayons à payer quoi que ce soit pour cela. Nous avons été créés simples et ignorants et avons pu venir faire l'expérience de la vie ici dans la matière. On nous a appris, on nous a montré, enseigné, donner un exemple que nous avons suivi, plus ou moins fidèlement. Et nous voilà maîtres d'un certain talent. Qu'allons-nous faire de ce talent? Il s'agit effectivement de vivre, de gagner sa vie, comme tout un chacun ici. Et de dégager un peu de temps, un peu de moyens, pour venir en aide à nos frères.
pour nous affranchir de cette matérialité dans laquelle nous sommes circonscrits, de nous affranchir de ce qui nous a été donné comme formation, comme formatage, comme éducation, comme point de vue matériel. Il nous est demandé d'adopter un point de vue bien plus large, celui du cœur. Un point de vue de l'esprit. Un point de vue de ce monde originel dans lequel nous avons été créés. Et lorsque nous avons ce point de vue depuis cette hauteur, avec cette perspective aussi large, nous ne pouvons plus faire comme auparavant. Car nous voyons bien trop de choses. Bien trop de choses. Bien trop de situations qui, par le passé, ont été celles que nous avons endurées. Pensons à donner un peu de réconfort à nos frères, un peu de paix, un peu d'amour. Et cela avec bon cœur, avec bonne volonté, sans rien attendre en retour. Combien de fois un ami a besoin de parler, prétextant telle ou telle activité, nous voilà auprès de lui. Prenons le temps d'écouter. Prenons le temps de l'accueillir avec sa souffrance et de lui donner une oreille attentive, une parole bienveillante en retour. Donnons gratuitement ce que nous avons reçu gratuitement. Car tout n'est pas prétexte à commerce. Nous avons entendu ici-bas, de nombreuses fois, cette phrase. Lorsque c'est gratuit, vous êtes le produit. Voici une idée qui, dans un certain milieu, est vraie, c'est-à-dire dans ces règles inventées par les hommes, mais qui perd toute validité lorsque nous adoptons ce point de vue spirituel. Car nous ne sommes pas un produit. Malgré la volonté de beaucoup ici-bas, Jésus nous a transmis son enseignement, nous montrant comment procéder, comment nous pouvons le suivre, afin d'arriver jusqu'à notre Père, à tous. Et ce n'est pas en faisant payer ce temps passé avec l'autre pour soulager sa souffrance, pour l'inviter à comprendre celle-ci. Soyons donc très attentifs à cette manière de vivre ensemble. Donnons donc notre temps, notre bonne volonté, de façon bénévole. Et ainsi, nous allons constater combien il est plus sain de vivre ensemble. Beaucoup ici cherchent à vivre confortablement. Et parce qu'ils ont un certain talent dans ces choses, des relations humaines, ils arrivent à berner
certains, à leur faire croire à un certain pouvoir, à même les rendre dépendants de ce soi-disant pouvoir. Il est en effet un pouvoir que de mentir à ses frères, que d'abuser de leur crédulité. Soyons vigilants, car ce que nous donnons, nous le recevrons au centuple. Tel nous traitons nos frères, tel nous serons traités. Et ainsi, nous aurons à vivre ces situations que nous aurons infligées à nos frères. Ce don de guérison est un des dons les plus sacrés qui soit de recevoir, car il est grave de venir à bout de cette souffrance que nous sommes ici tous à vivre. Et cette souffrance est vraie, elle est réelle, nul ne peut la nier. Alors, pourquoi vouloir monnayer à tout prix ce don que nous avons reçu gratuitement? Car nous allons nous endetter bien plus qu'on ne le croit. Il s'agit de faire en sorte de bâtir cet édifice qui nous permet de nous élever vers Dieu sur des fondations solides. Et cela n'est pas ce que Dieu veut. Soyons donc attentifs à comment nous employons notre temps. Il est une chose de vivre ici, de subvenir à ses besoins par le fruit de son travail, mais il est une autre que d'abuser ses frères. Et lorsqu'il s'agit de nous affranchir de cette matérialité, pourquoi employons-nous toujours les mêmes critères? Pourquoi garder les mêmes repères lorsque nous cherchons à nous spiritualiser? Non. Faisons attention à adopter de meilleurs repères, car nous sortirons grandis en faisant ainsi. Guérir est possible lorsque nous avons cette relation particulière avec Dieu et que nous nous mettons complètement à son service, que nous faisons en sorte d'être le relais de sa volonté ici-bas. Nous avons donc cette mission importante, profonde, que de venir apaiser la souffrance de nos frères, de guérir la douleur du corps et la souffrance de l'esprit, afin que nous puissions inviter nos frères à connaître Dieu, à regarder dans sa direction, à s'élever vers lui. Alors, arrêtons de prendre ces repères matériels pour les calquer sur ce monde spirituel. Ce n'est pas ainsi que nos frères nous suivront vers Dieu. Ouvrons notre cœur, accueillons ce qui nous est donné, et donnons le meilleur de nous-mêmes afin de bonifier ce qui nous est donné.
pour que nous puissions comprendre un jour tout le bien que nous pouvons faire ici-bas. Guérissons de notre passé et avançons vers Dieu. Ainsi soit-il.